Je comprends bien, mais je parle pas. Quand je parle français, je me bloque, je trouve plus mes mots. Je manque de vocabulaire, je peux pas m'exprimer comme je veux. Je suis très mal à l'aise quand je dois parler français. Je n'ose pas parler avec mes collègues. J'ai honte de ma façon de m'exprimer. Vous dites ça parfois? C'est une situation pénible que vous vivez depuis un certain temps? Oui, je peux vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce cas. J'entends et je lis toujours ce genre de phrase. Vous n'arrivez pas à parler comme vous aimeriez. Et pourtant, vous avez certainement beaucoup étudié. Vous y avez passé du temps, dépensé de l'argent. En plus, vous aimez cette langue. Vous aimez le français. Vous aimeriez vraiment parler français. C'est frustrant. C'est décourageant. Vous vous dites parfois, peut-être, je n'y arriverai jamais. Je suis pas fait pour le français. Je suis pas faite pour le français. Je suis trop timide pour parler français. Ou alors, il me manque beaucoup de vocabulaire. Ou alors, je fais trop de fautes. Ou je dois étudier plus. Ou alors, je peux pas bien parler parce que j'ai personne avec qui pratiquer. C'est ça mon problème. Quand on a une difficulté, on cherche à comprendre d'où elle vient. Je n'arrive pas à parler français avec confiance parce que je n'ai pas un assez bon niveau, parce que je ne vis pas en France ou dans un pays francophone, parce que je ne peux pas voyager ou faire un séjour linguistique. C'est tout à fait normal de chercher les causes de ce problème à l'oral. En fait, c'est une première étape pour ensuite trouver des solutions. Mais attention, j'entends beaucoup de fausses raisons. Beaucoup de gens se trompent. Ils ne voient pas les vraies causes de leurs difficultés à l'oral. C'est vraiment dommage. Parce que si vous vous trompez de cause, vous n'allez pas résoudre le problème. Vous allez soit partir dans une mauvaise direction, ou pire, vous n'allez rien faire du tout. Parce que vous allez penser, bah, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Moi, je vous propose de chercher ensemble les vraies raisons de vos difficultés à l'oral. Pourquoi vous n'arrivez pas à parler français? Ou plutôt, pourquoi vous n'êtes pas à l'aise pour parler français? Pourquoi vous ne parlez pas avec confiance? C'est à cause de votre niveau? Votre manque de contact avec des francophones? On va voir tout ça ensemble. Et je vais vous surtout vous montrer d'autres causes importantes de vos problèmes pour parler. Des causes qui sont souvent un peu dans l'ombre, un peu cachées. Mais je peux vous assurer que ce sont des causes très fréquentes, extrêmement fréquentes. Et quand on connaît les vraies causes, on trouve de vraies solutions. Donc je vous assure qu'il existe des moyens efficaces pour changer vraiment ce qui vous empêche de parler avec confiance. Donc aujourd'hui, je vous invite à un défi, un challenge. Ce défi consiste à trouver ensemble les vraies raisons de vos problèmes pour parler en français. On va le faire ensemble et on va le faire en 6 jours. 6. Vous aurez ainsi les idées plus claires sur votre situation. Vous comprendrez mieux sur quoi vous allez travailler. Vous devez travailler pour changer ce qui vous bloque à l'oral. Et je vous offre cette opportunité. C'est un défi gratuit. Mais je vous demande une seule chose. Il y a une condition, une seule, c'est prendre un peu de temps chaque jour pendant 6 jours. Chaque jour, vous allez visionner une vidéo que je vous ai préparée spécialement, réfléchir sérieusement à ce que vous avez entendu, prendre des notes dans votre carnet de travail. Je vais vous fournir en fait un document à compléter, soit en ligne, soit à imprimer. Vous êtes prêt à ça? Prête à ça? Vous êtes motivé pour avancer, changer cette situation frustrante à l'oral? Alors inscrivez-vous. On commence très bientôt. Cliquez sur le lien qui apparaît là au-dessus ou en dessous pour connaître la date de début du défi et vous inscrire. Allez, faites un pas en avant. Je vous attends.